Donc voilà, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau live. Un live sur un jeu dans lequel je vais découvrir. Il s'appelle Wizard 101. Donc là, vous le voyez tout simplement à votre écran. On va découvrir cela pendant environ, allez, 1h30 environ, enfin même un peu moins, 1h20. Donc on va découvrir ce jeu-là ensemble, enfin ensemble peut-être parce que bon, vous avez peut-être déjà dû y jouer, hein, enfin pu y jouer. Donc voilà, en tout cas je pense qu'il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas ce jeu et dans lequel on va découvrir ensemble. Ouais, je se finisse... Le jeu vient de se finir, de se télécharger. Donc, hop, 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 hop. Ça arrive vite. Ah, alors attendez, ça, je vais quand même vous mettre l'écran du jeu. Ça serait pas mal. Alors, attendez quand même encore un tout petit peu. Hein, en tout cas, pendant que tout cela arrive, que j'arrive, etc., etc., vous pouvez bien évidemment laisser un message sur le chat ou sur Twitter, hashtag CrisisLive. Ah, alors il y a du son. Alors, oui, alors vous n'entendez pas encore. Vous n'entendez pas encore, donc attendez. Ok. Ouais, il m'embête un petit peu là. Je vais retourner à mon bureau. Je vais retourner au bureau, attendez. Ah là, il m'embête là. Il fait Windows, il veut pas me retourner au bureau, la touche Windows. Ok. Pop, 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 pop. Ça, j'avais pas prévu ça, tiens. Et aussi, il y a un punaise de bug sur ce jeu, punaise. De la touche Windows, on retourne toujours à l'écran de Windows et là, ah, c'est pas mal, c'est pas mal. What the fuck? Je crois que là le jeu il a un petit bug. Faut rien cliquer en fait. Je peux rien cliquer. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce beans? Il découvre des gens en live, c'est pas très bien. Y'a rien qui fonctionne. Comment ça se fait? Ceci. Même la touche s'échappe, ne marche pas quoi. C'est quoi ce délire? Ah si, y'a ce... Alors le jeu s'est débugué, je ne sais pas trop comment. Mais ici débugué. Par contre, je voudrais... Allez. Ah, bah tiens, voilà, ça y est, c'est bon, ma touche Windows, elle répond. C'est... Je sais pas que mon PC a ramé comme ça, dit. Attendez. Appelez ça, je mets ça là. Donc oui, l'écran du jeu. Alors. L'écran du jeu. Donc, je vais vous le mettre. Capture de jeu. Oui, Wizard. Donc là, normalement, vous allez le voir. Attendez 30 secondes.
Non, ça devrait être visible pour vous. Voilà, oui, c'est visible. Voilà, ça y est. On y arrive. Voilà. Attendez. Hop, petite modification. Voilà. Donc là, vous voyez bien. C'est bien, par contre, j'ai peut-être un petit peu plus réduire ça. Ouais, c'est. Non, on va peut-être le mettre en haut. C'est pas évident à caser ça. C'est pas évident. Ouais, bon, on va le mettre là, hein, tant pis. Ouais, on va le tant pis, on va le caser là et j'irai après. Je verrai après, en tout cas. Donc, oui, alors comme j'avais dit également sur mon compte Twitter, bah, aujourd'hui d'ailleurs, les VOD arrivent très bientôt, hein. Ne vous inquiétez pas, elles seront prochainement disponibles, peut-être à partir de demain. Voilà, donc il faut le temps que tout se mette en ordre. Donc, puis, on va retourner sur l'écran du jeu. Voilà, donc. Hop, les. Voilà. Oui. Tout marche bien. Je sais pas pourquoi mon PC ramait tout à l'heure, mais c'est pas bien grave. Donc, alors, les cheveux. C'est gênant ce chapeau. Ouais, non, c'est. Non. Donc, ce jeu, c'est un MMO, hein, je le précise. Bon, allez, on va mettre sa couleur. Non, c'est. Ouais, ça, c'est mieux. Visage. Ouais, à la couleur du vêtement. Ah, tiens, ça allait bien. Ouais, le teint. Non, c'est trop. Non, c'est. Voilà, c'est bien. C'est bien. On peut rien changer d'autre. Attends, on peut le faire tourner. Ouais, c'est bon. Allez, hop. Donc là. Ah oui, alors attendez, c'est vrai que je vous ai pas mis le son, je crois. C'est vrai, si je pense pas à vous mettre le son. Voilà. Le son, c'est meilleur. Donc dites-moi si ça va avec le son et la voix. N'hésitez pas. N'hésitez pas à me le dire, hein, si le son du jeu ne recouvre pas trop ma voix. Ou à l'inverse. Ouais, bien, suivant. Bien. Et que voudrais-tu porter? Ah, parce que maintenant on peut changer. Attends, on va faire la tenue puis ensuite. Enfin, peut-être qu'il va me faire un retour. Attends, on va voir. Ouais, d'accord. Fait dans une poêle du rouge. J'aimerais bien porter du rouge. Ah, ça fait bien en fait. Oh, c'est trop joli. Ah, c'est trop joli en fait. Non, ça fait trop rouge. Ça fait quand même assez joli quand même. On va mettre ça sur le bord. Voilà. Voilà, il y a un petit coup.
voilà, comme ça. Par contre, j'aimerais faire un petit retour. Nous voudrions aussi savoir à quoi tu ressembles. Voilà, j'aimerais quand même faire un petit retour parce que... Ah oui, oh non, c'est, j'ai pas besoin de changer. Qu'est-ce que je fais? Couleur. Ouais, du rouge. J'aime bien le rouge. Voilà. Le visage. Ouais, allez hop, tiens, allez. On va se mettre ça. Oh, le temps, non, on va pas le changer. Bien, hein, bien. Et que voudrais-tu porter? Allez, hop. Très bien. Quel est ton nom? C'est ce que j'avais mis. L'inscription du jeu un peu avant cela. Parce que la sombre, nous, ça invoque pas trop le rouge. Attends, est-ce qu'on a rouge? Ok. Oh, on a pas rouge. On a vraiment pas rouge, j'ai l'impression. Oh. Vive les gens, tu vois, les hop. Vive les gens. Ouais. Terminé. Option supprimer nouveau. Jouer. Allez, hop. Oh, un peu de patience, mais je dis que cette zone n'est pas encore prête. Patiente un peu, puis restez ici. Sérieux? Au sérieux? Ah, le sort fonctionne. Oh, regarde, Gamma. Nous en avons enfin trouvé une. Ouh! Une jeune recrue, au potentiel impressionnant. Peut-être même suffisant pour sauver Sorcelleville. Vraiment? Ouh! Où ça? Dans un royaume très, très lointain. Bigre, un monde qui ne croit même pas en la magie. Je me demande quel sorcier nous aurons là. Nous devrions peut-être consulter le livre des secrets. Le directeur Ambroise se tourne vers toi et te fixe du regard. Réponds à ces questions pour découvrir quel genre de sorcier tu es. Ah, ça, c'est ce que j'avais rempli avant, ça. Ça, c'est ce que j'avais rempli avant, donc ça, je m'en fiche totalement. Pourquoi c'est sur un écran d'état graphique? Oh.
quoi. Ah, ça, ça va peut-être être mieux. Pour vous, ça, je pense. Ok. Non, ça va être mieux pour vous, ça. J'ai rien dit sur le stream. Voilà, ça va être un peu mieux, voilà. Ah, ça en effet, c'est mieux. Voilà, ça c'est mieux. Cette résolution là est meilleure. Toujours en train. Ouais, faut que j'attende qu'il y ait 100%, voilà. C'est possible là. Ah, voilà. Bonjour, ne serait-ce pas notre nouvel élève? Ici, c'est moi. Je m'appelle Merle Ambroise. Je suis le directeur de l'école des arts magiques de Corbois. Nous plaçons de grands espoirs en toi, mais chaque chose en son temps. Pour te déplacer, utilise les flèches de direction de ton clavier. Vas-y, essaie. Mon ami Hibou voudrait s'entretenir avec toi. Va jusqu'à lui et suis ses instructions pour lui parler. Ok, donc là, je suis un peu... Ouais. Ok. Coucou! Je m'appelle Gamma, le hibou. Enchanté de faire ta connaissance. Les sorciers éprouvent leur talent en invoquant des créatures fantastiques au combat. Avant de devenir un maître sorcier, tu devras apprendre tous les sorts de ton école de prédilection. Les sorciers raffolent des duels. Plus tu connais de sorts, meilleur tu seras dans les duels. Ok. Comme c'est étrange. Suis-moi, jeune élève. Nous devons tirer cela au clair. Retrouve-moi dans la tour. Tu ferais bien d'accompagner le directeur. Tu seras en sécurité avec lui. Direction la tour. Ok, alors attends, je regarde une petite chose. Petite chose, hein. Hop, là. Un instant, un peu de patience, saisonner un peu de compote. Pour tes aventures, patiente un peu, puis restez. Je suis rentré où, moi? Ah, faut attendre que ça charge. Oh, punaise! 33%, 34%. Ah, ça pue, ça c'est défi de ce jeu là. Hein. 35! C'est ça pour chaque pièce, punaise. Ah, on aura le temps. Hein. On aura le temps, il n'y a aucun souci. Bonsoir, n'hésitez pas à poster un message sur Twitter, hashtag CrucySide. Ou sur le chat. Je rappelle que je découvre ce jeu avec vous. Il faut que j'attende. Il faut que j'attende. N'hésitez pas à me redire si le son ça va, etc. J'ai pas de message de retour donc. Ça me démange un petit peu, voyez-vous. Je sais pas trop ce que c'est ce petit truc là. La vie, la magie peut-être, je pense. En toute logique. En toute logique. Bon, on peut se déplacer ici, enfin, tourner la caméra avec la souris. Genre, vous savez quoi? On va aller voir différents environnements.
même baisser un petit peu plus la caméra. Ah d'accord, bon il la remet directement comme ça, bon tant pis c'est pas grave. Ah ah, c'est quoi ça? Bon, ça a l'air d'être très dangereux ce truc. Ah bon, on va pas y aller tout de suite. Ah, c'est long à se charger 57%. Tiens, charger. T'as déjà plus. Regarde, tout marche nickel. Et là, pour l'instant, tout marche nickel. Tout a l'air de bien marcher. Je préfère m'en assurer. Alors par contre dans le sens ça tourne pas. Ah si ça tourne, si. Mais ça tourne quand même un petit peu. Que bon gamin, l'animal de compagnie du directeur. Donc bon là, le directeur est entré. L'attends. Oui ça je sais, je peux pas y entrer. Faut que j'attende. Ça va être long. Il reste environ 30%. Est-ce qu'on peut faire autre chose de ressauter? Ah oui! On peut sauter. Par contre, il fait des petits sauts. Hein. J'ai l'impression qu'il pèse 300 kilos. On a autre chose. Ah, d'accord. Je touche, touche par touche. Il y a sûr pour espace en tout cas. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'autre chose. Je pense que ça se débloquera au fur et à mesure. Youhou! Je saute, c'est la fête au village. Ou la fête au château. Si. Oui, ça je sais. C'est vrai qu'il y a une petite baguette magique. Magicien là. Moi qui veux faire de la magie sur ce stream. Guarantee. Au prochain chargement, je mettrai la pause. Hein. Voilà, il reste environ 5%. Ouais, il reste 5%. Allez. Ah, donc là, voilà, on est à 100%. Attends, il dit quelque chose normalement. Hop, les donc. Oh non mais c'est sérieux. Ouais encore un autre chargement. Oh punaise. Bon ça va, il va plus vite. WC. Ok. Il faut charger les toilettes. Hein. C'est très important dans un jeu les toilettes. Il y a combien de trucs? Et j'espère qu'après elle recharge partout hein. J'espère. Tiens, on commence à s'ennuyer, la vache. Oh purée, on est face à quoi un chargement. Ah si, c'est bon. Mais c'est...
Malister. Il y a une sale tête. Il y a une sale tête. Ambroise. Tu n'es plus le bienvenu ici. Pourquoi es-tu revenu? J'avais quelques petites choses à terminer. Qui est-ce? Ton nouveau protégé? Mes mercenaires lui réservent un traitement de faveur. Dépêche-toi! Prends ces cartes magiques et occupe-toi de ces créatures. Je me charge de Malister. Ne sois pas si sûr de toi, vieil homme. Cours affronter ces créatures. Courage, je vais te guider. Oui, guide-moi, s'il te plaît. Tu as pioché ces sorts dans ta réserve de cartes magiques. Maintenant, choisis le sort avec lequel tu veux attaquer, puis clique sur l'adversaire de ton choix pour lui jeter ton sort. Ouais. Ok. Ah, je prends cher. Là, c'est à moi, là. Alors. Bonté divine, tu es blessé. Surveille de près ton état de santé. Ok. Oui. Cette sphère rouge représente ta santé. Si elle tombe à zéro au cours d'un duel, tu seras vaincu. Ok. Et comment on peut savoir la vie des monstres? La sphère bleue indique la quantité de mana qu'il te reste. Ouais. Le mana est ton énergie magique. Si tu n'as plus de mana, tu ne peux plus lancer de sort. Si jamais tes réserves de mana sont épuisées, tu seras à la merci de ton adversaire. Un peu d'attention, je te prie. Quoi? Nous sommes attaqués? Oh, bonté divine! Quel bêta je fais! J'avais oublié. Où en étions-nous déjà? Ah oui, attaque encore ces sbires. On a toujours attaqué de nous. Allez hop! Oh, dans son scorpion. Un squelette. Ok. Pas qu'il y en a un moins. Oh, punaise. Ha ha, vieillard sénile. Ton élève n'a aucune chance face à mes mercenaires. Oh non, tu es dans de beaux draps. Vite, utilise le sort licorne sur toi-même pour récupérer de la santé. D'accord, donc on va dans la santé. Ok. Méchant requin. Bande d'incapables. Vous l'avez laissé se soigner. Écrasez-le, ou je vous le ferai payer. Utilisez vos sorts pour affaiblir sa magie. Tiens, prends ces quelques pifs. Grâce à eux, tes sorts seront plus puissants. Plus tu possèdes de pifs, plus tu peux lancer de sorts puissants. Dépêche-toi, choisis un autre sort et jette-le sur l'un de tes adversaires.
moitié clignote. Ouais, tiens. Flûte! Ce sort a sapé la puissance de ton propre sort. Misérable créature. Vous vous montrez enfin à la hauteur. Finissez-en maintenant. Jette le sort « L'âme de l'harmonie » sur toi-même. Il renforcera ton prochain sort. Ok. Voilà. J'aime pas. Mon élève apprend vite, Malister. Si tu veux jouer à ce petit jeu, j'ai une idée. Jette ce sort, pluie de météores. Il frappera ses deux sbires à la fois. Voilà les pifs pour le lancer. Ça bug. C'est moi, ça bug. Ça replante. Ça replante. Ah, d'accord, j'avais pas vu que là, il y avait la vue. Ok. Ah, là, toi, ça charge. Eh punaise, et c'est long. Et c'est long chaque chargement là. C'est long. C'est très très long. Je vais mettre ces messages. Ouais, bon. De toute façon, je crois qu'on va faire la pause maintenant. On se retrouve juste après, hein, le temps que tout se charge, et je vous reviendrai. Donc, à tout de suite, n'hésitez pas à laisser des messages sur Twitter, hashtag CrisisLife, ou sur le chat. À tout de suite. Cette semaine, McDonald's vous emmène à la découverte.
Donc, me revoici, me revoilà à l'antenne, va tenir par là, pour le jeu Wizard 101. Donc, c'est un jeu gratuit, c'est un MMO. Donc, d'ailleurs, je précise vite que c'est édité et développé par King Lizard Entertainment. C'est pas évident à prononcer. Et que c'est sorti en France le 7 septembre 2011, donc c'est un MMO, voilà. Donc, hop, là j'ai gratuitement. Et il faut dire que bah, le jeu est pour l'instant pour être chargement, j'ai envie de dire. Donc là, attends, je fais comme ça, donc là. Hop, les. Je retourne au jeu, là, dans le chargement. Il va bientôt se finir. Là, allez hop, normalement c'est bon. Ah là là, c'est dingue ça. Là, on a la vie ici. Mon Dieu, où est-ce qu'on voyait la vie tout à l'heure? Bah là, c'est tout bête. Ah là là, je vais finir par m'écorcher là. Ah, ce jeu qui bruit de chargement. J'ai jamais eu un jeu comme ça pour être chargement en fait. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à donner votre avis sur le jeu sur le chat ou sur Twitter. Hashtag CrisisLive. Voilà. N'hésitez pas, en tout cas c'est un jeu bourré de chargement et dans lequel il faut attendre, attendre et attendre. Il se charge, il se charge. Parce que bon, le jeu, bon, plutôt bien, c'est, certes les graphismes sont pas très très beaux non plus, mais à part ça, ça aurait bon été pas mal, mais voilà, il y a le chargement qui brise tout là. Chargement, c'est super long. Donc là, je sais pas combien de temps va durer ce chargement. L'impression que ce jeu va me bourrer quoi. C'est dingue. Mais c'est dommage. Une fois qu'un chargement est fini, t'en as un autre qui arrive derrière. C'est ça qui est vraiment pénible. Le jeu n'est pas si mal, mais voilà, il y a ça. Et ça, franchement, c'est... C'est dommage parce que bon, le concept il avait l'air d'être pas mal, tout. Et. Il fallait qu'il y ait ça, forcément. J'espère pas que ça fera dans une prochaine partie que je jouerai parce que dit. Je serai assez vénère. Ouais, faut peut-être que j'exécute sur suivant. Avec la lame de l'harmonie que tu as déjà lancée, la pluie de météores devrait suffire à les achever. J'ai en fait, c'était ça, sans doute. Ouais. J'attendais comme un bêta. Ouais, ça j'aime pas. Mmh.
Allez, hop. Et voilà. Victoire. Excellent travail. Maintenant, je m'occupe de Malister. Je vais lui apprendre à menacer un nouvel élève avant son initiation. La suivante. Une autre fois, peut-être, vieil homme. J'ai ce que je voulais. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Il est parti. À la bonne heure. Quel sinistre projet a bien pu l'amener ici. Alors, on peut pas bouger. Eh bien, tu m'as l'air un peu épuisé. Laisse-moi régénérer tes réserves de santé et de mana. Voyons les choses du bon côté. Toutes mes félicitations. Ta victoire sur les sbires de Malister t'aura au moins fait gagner un peu d'expérience. Cette barre d'expérience te permet de suivre ta progression. Ok. Lorsque la barre est remplie, tu montes au niveau supérieur et tu pourras alors apprendre de nouveaux sorts. As-tu des questions? Comment? Tu ne sais pas comment faire pour parler? Oh, mes excuses. Dans ce cas, je vais t'apprendre à utiliser le menu de discussion. J'ai hâte d'entendre ce que tu as à me dire. Voici le bouton du menu de discussion. Clique dessus pour dire quelque chose. Ok. Tiens, allez, hop. Tu y arrives, on dirait. À présent, tu peux discuter avec tous les personnages que tu rencontres et te faire plein de nouveaux amis. Tu peux aussi appuyer sur « Entrée » et taper ton propre message en utilisant le dialogue en ligne. Les parents peuvent bloquer cette fonction. Il te faut aussi un grimoire et une baguette magique. Voilà qui est fait. Les jeunes sorciers devraient toujours les avoir sur eux. Je dois avouer que ton courage m'impressionne. Tu es destiné à accomplir de grandes choses. Je n'ai aucun doute là-dessus. Qui sait? Peut-être qu'un jour, c'est toi qui me succéderas à la tête de cette école. Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai une montagne de travail qui m'attend. Et je dois encore régler les derniers détails de ton inscription. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, patiente un instant. Je vais vite jusqu'à mon bureau remettre tout en ordre. Je te ferai appeler quand mon bureau sera plus... présentable. Tous ces livres et ces papiers à ranger. Voyons, où sont donc ces formulaires? À bientôt! Repasse me voir avant de partir, s'il te plaît. Ah, parce que... D'accord. Attends, vous êtes prêts. Bienvenue à Sorcelleville. Une bourgade d'ordinaire beaucoup plus tranquille. Mais il y a du grabuge sur le chemin de la licorne auquel il faut remédier avant ton inscription. Ok. J'ai une idée. Si ce n'est pas trop te demander... Tu pourrais peut-être aller y jeter un œil, voir si tu peux te rendre utile. En même temps, tu pourras en profiter pour découvrir Sorcelleville. Le directeur te tend une lettre cachetée à la cire. Remets cette lettre au garde clanglaise qui se tient à la porte du chemin de la licorne. Il te laissera passer. Tu peux suivre la flèche en bas de ton écran. Elle t'indique le chemin.
par là. Tu viens de recevoir une astuce de tutoriel. Ces astuces s'affichent régulièrement à droite de l'écran. Clique sur les portraits pour recevoir des informations contextuelles. Bonjour, à ce moment là pour l'instant j'ai quelque chose à faire. Hop, il y a une flèche. J'ai une flèche. Les flèches qui apparaissent en bas. Personne ne passe. L'accès au chemin de la licorne est interdit. Il y a des fantômes partout. Tu montres au garde Clanglaise la lettre portant le cachet de cire du directeur Ambroise. Tout m'a l'air en ordre. Tu peux passer. Montre ça au garde Simenon sur le chemin de la licorne. Une lettre du directeur. Tu as beaucoup de courage de me la porter. Mais c'est rien. Si tu comptes emprunter le chemin de la licorne, prends garde. C'est une rue dangereuse. J'ai vu des sorciers comme toi ne jamais en revenir. Fais bien attention. Si tu savais comme je suis content de te voir. On a besoin d'aide pour chasser les fantômes du chemin de la licorne. Des forces obscures se sont soulevées et nous ne sommes pas assez nombreux pour les arrêter. Ce serait un honneur si tu te servais de tes pouvoirs pour chasser ces âmes perdues. Yep. Ah, ok. Ok, ah parce qu'en plus j'ai un ton. Oh. Voilà. Si je suis bien, si vous voulez l'activer, si. Bon allez, hop là. Bon quartier. Voilà.
la flèche. Ta victoire a changé la donne. Voilà qui nous donnera du cœur à l'ouvrage. Si seulement nous savions ce qui a déchaîné la prolifération des morts vivants. Tu devrais aller parler à Steve Chantesoir. Il a peut-être besoin d'aide. Ah, il est là. Bonjour! Ah, puis... Bon, t'es caché, tant pis. Bonjour. Le professeur Melinda Wu m'envoie vérifier les rumeurs à propos des fées. Les gardes refusent de me laisser aller plus loin. Mais toi, tu devrais pas avoir ce problème. Peux-tu t'en charger pour moi? Prends le chemin de la licorne et tente de trouver des fées. Si elles t'attaquent, j'espère que tu sauras te défendre. Accepté. Viens là, toi. Voilà. Ouais, ça, c'est bien ça. Pas très bien saisi. Là, bon, donc là oui, là ça marche. Waouh, ça fait mal. Et dis-moi que ça marche, ça. Dis-moi que ça marche. Mais ça marche pas, c'est... Ah si, voilà. Oula. Waouh. C'est bon. Voilà. On va le tenter. Je suis fou, mais je le tente. Ça devrait passer. Je pense. C'est qui attaque en premier.
Waouh. Ok, d'accord. Ah d'accord, donc... Ok, vous savez quoi? Oui, je fuis. Je crois que je suis en mauvaise position. Mais comment on récupère de la vie en fait? Sorte en fait. Non, pour l'instant, j'accepte pas d'avis pour l'instant. Désolé. Je vais gagner un peu de vie. Ok. Non, pour l'instant, non. Pas pour l'instant d'amis. Et 7. Ça augmente. En tout cas, je visite un petit peu. Viens là, toi. Faut pas sauter par-dessus. Voilà. Hop, 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 hop. Mais tu vas plein par où. Mal. Ah non, il y a d'autres là. J'ai déjà fait le tour. Hop. Voilà. Donc là, je vais retourner à l'endroit où est-ce que j'étais tout à l'heure. Je passe. Voilà, ça y est, c'est bon. Donc là, on va commencer par ça. Ah.
Voilà. Ça. Hop, les. Prends-toi ça. Allez, hop, voilà. Là, j'ai plus qu'à finir cette quête, du coup. J'ai eu un petit peu de message. Je regarde un peu le Twitter, les chats. Ça. Très utile. La vie, la vie. Ah. Évidemment, il fallait que ça m'arrive. Allez hop. Que les attaques, il y a quand même des choses que ça échoue. Quand même. Hop. Je sors. Pas du tout. Le chemin de la licorne grouille de fées maléfiques. Oh, c'est ce que je craignais. Elles ont été corrompues. Et quand tu les as vaincues, elles n'ont pas recouvré leurs esprits. C'est très fâcheux. Des forces maléfiques sont à l'œuvre à Sorcellville. Quelque chose de sinistre a contourné les protections d'Ambroise. Merci de m'avoir informé. Il faut que j'alerte les autres. Mes amis me disent que je cherche toujours la petite bête. Mais cette fois, il se trame quelque chose de louche, j'en suis sûr. Tu peux m'aider à lever le voile sur la malédiction qui pèse sur Sorcellville. Tu connais Lady Auriel, le Séraphin? Elle saura peut-être ce qui est arrivé aux fées. Parle-lui dans le labyrinthe végétal, au bout du chemin de la licorne. Ok, donc là... Encore un tout petit peu de temps encore. Hop les hop. Donc là faut que j'aille à l'autre bout forcément. C'est bien elle. Louée soit la lumière! Quelqu'un vient enfin! Mes fées sont victimes d'une étrange corruption. Ton aide est plus qu'opportune. Prends ceci, tu en auras certainement l'usage. Merci d'avoir accouru dans cette heure funeste. Si tu es aussi brave que tu en as l'air, je sais que tu m'aideras à sauver mes fées. Va au chemin de la licorne et affronte ses fées maléfiques. Récupère la poussière qu'elle laisse derrière elle. Je pourrai en savoir plus sur ce qui les a corrompus. Faut que je récupère de la poussière. Je sais que la tâche est ingrate, mais elle doit être accomplie. Prends soin de toi.
Ok. On va essayer d'accomplir cette quête avant la fin du live. Ce serait pas mal. Pouf. C'est pas amusant, j'ai que les mêmes cartes. Sur 3, ok. Je vais prendre celle-là. Il y a 100 mieux celle-là. Bon. Pour que je puisse savoir ce qui les corrompt. Lady Auriel est visiblement ébranlée. C'est une créature morte-vivante qui leur a jeté un maléfice. Voilà qui est mauvais signe. Comment un pareil mal a-t-il pu proliférer ici? J'ai entendu dire que quelqu'un a suspendu des caches d'os dans la rue. J'ai peur qu'elles ne servent à piéger mes chères fées pour mieux les corrompre. Je t'en conjure, libère les fées capturées de ces horribles caches d'os avant que la corruption ne s'empare d'elles. Vite! Ouais, on va vite faire cette quête-là. Parce que oui, ça, les espèces de cages, je les ai vues. Et c'est ça. D'abord indiquer vraiment ce que je dis, la flèche.
va. Ok. Là, faut que je fasse ça pour 3 autres cages. Et donc. Ah, oh. Eh ben c'est là. On va faire. On va voir pour là. Voilà. C'est bon, donc là. On peut faire cette cage là. Il en faut encore une. Voilà. Et... Oh, là on peut vraiment pas ouvrir. Non, là on peut pas ouvrir. Bon. Pas grave. Hop, 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 hop. Tu entends une petite voix flûtée t'appeler par ton nom. Merci d'avoir aidé les fées. Elles ne sont pas maléfiques par nature. C'est la corruption qui les a dévoyées. L'espoir est revenu. Les fées peuvent à nouveau dispenser la magie et la gaieté aux bonnes gens de Sorcelleville. Donc ouais, voilà, on a sauvé les filles. Nous te remercions. Les fées libérées m'ont vanté ton héroïsme. Le chemin de la licorne se souviendra de tes exploits. Et pour te témoigner ma reconnaissance, voici un sort de guérison. N'oublie pas de l'ajouter à tes cartes magiques pour en bénéficier. Nous devons maintenant trouver qui est à l'origine de cette corruption. Mes fées m'ont parlé d'un horrible monstre dont les os cliquettent quand il marche. Steve Chantesoir connaît le chemin de la licorne comme sa poche. Si un sinistre squelette hante ma rue, il le saura. D'accord. Oui, bon, là, malheureusement, on n'a plus trop le temps. On n'a plus trop de temps, là, malheureusement. Donc, c'était Wizard, je pense que je ferai la suite en live encore, je pense. Et puis voilà, ça s'est plutôt bien déroulé. Donc là, on arrive vraiment vers la fin. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce live. On se retrouve donc juste après, alors pour... Digimon Master, normalement. Normalement, là aussi, j'ai découvert ce jeu-là. Aussi Digimon Master. Donc, on se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite.